Et salut à toutes et à tous, c'est Elias, j'espère que vous allez bien les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, l'épisode numéro 3 de prédiction de 5 nouvelles cartes pour FUT 17. Donc encore une fois, j'ai changé le design des cartes, décidément chaque épisode je change, mais cette fois c'est le bon. Voilà, j'ai tout simplement réussi à faire les vraies cartes. Ce sont ces cartes là qui seront l'année prochaine sur FUT 17, enfin globalement elles devraient ressembler, puisque je vais vous montrer 2-3 images qui ont fuité, qui me montreraient comme quoi ce serait ces cartes de ce design là. Peut-être pas exactement les mêmes, mais en tout cas le design ressemble. Donc ça devrait être, concernant le design, ça devrait être ce design là globalement. Après je suis pas encore sûr à 100%, mais normalement ça devrait être ça. Donc voilà, après j'ai bien sûr les stats et les générales, les généraux de chaque joueur. Bien sûr c'est moi qui les ai mis, donc ça sera peut-être pas cela, on verra en tout cas. Donc voilà, je vous propose qu'on commence comme d'habitude avec le premier joueur. Il est algérien, il joue à Leicester, il a fait une saison de maladie, il s'appelle Riyad Mahrez. Donc Mahrez qui apparaît sous vos yeux, donc voilà, vous voyez à gauche sa carte FIFA 16. Donc j'ai aussi changé le design du temple, du background un peu là, d'où vous voyez les cartes. Je trouve ça plus joli en jaune, ça fait plus penser à FIFA 17. Donc à gauche, vous voyez le Mahrez de FIFA 16 qui était en milieu droit. Et ensuite vous voyez à droite donc le Mahrez de FIFA 17 que j'ai décidé lui de passer en AD. Donc je lui ai mis un up de plus 6. Pour moi il le mérite vraiment, il a fait une très grosse saison. Voilà, vous êtes à peu près tous au courant, je pense que Mahrez et Leicester ont fait une saison de malade. Donc voilà, ça a été un des gros artisans du sacre de Leicester avec Vardy et Emma et Kanté et d'autres. Donc voilà, pour moi il mérite largement une augmentation de plus 6. Plus 6 c'est vraiment énorme. J'allais pas non plus mettre au-dessus parce que voilà, après plus 7 ça commence à devenir vraiment beaucoup. Pour moi il mérite un plus 6 sans problème. Donc plus 6 c'est bien. Ensuite voilà, vous voyez au niveau des stats, j'ai augmenté pas mal de ses stats, pratiquement toutes d'ailleurs. Donc ça lui fait vraiment une carte assez belle. Et je pense qu'il risque de coûter un petit peu cher au début de fuite. Je pense que son prix devrait tourner autour des 20 000, 25 000 crédits peut-être. Donc voilà, une jolie carte pour Riyad Mahrez, un bel ailier droit à utiliser en Barclay Premier League. On passe maintenant au deuxième joueur de cette vidéo. Il s'agit de Kingsley Coman. Donc la fusée française qui a fait un euro plutôt correct, on va dire, lors de ses rentrées en jeu, il a été plutôt bon. En tout cas voilà, on connaît le style de jeu de Coman, il est hyper cute, c'est un dribbleur, il va vite. Il tient bien sur ses jambes, hein. C'est vrai que sur sa carte fut 16, comme vous voyez à gauche, il avait que 53 de physique et je le trouve quand même assez physique ce joueur, il tombe pas souvent. Il est plutôt à droite sur ses jambes, il est assez agile. Donc voilà, j'ai augmenté sa stat de physique à 62. Donc c'est pour ça que vous voyez. Donc j'ai essayé de le passer en ailier droit, il était à gauche sur fut 16 et il a fait beaucoup de matchs de saison à droite, donc je l'ai mis à droite. J'ai augmenté son général de plus 4, là aussi je pense que c'est mérité, il a fait une saison 12 passes décisives il me semble, j'ai plus ça sous les yeux, mais je crois qu'il a fini 7 buts, il a fait 12 passes décisives, quelque chose comme ça. Donc vraiment beaucoup de passes décisives, donc j'ai aussi bien augmenté sa stat de passe. Donc j'ai aussi enlevé sur la présentation des cartes, j'ai enlevé l'endroit où on voyait le nombre de buts marqués, etc. Parce que voilà, je voulais me concentrer exclusivement sur les cartes et non pas sur les stats hors FIFA, mais je peux vous le dire à voix haute, voilà. Donc voilà, j'ai augmenté sa stat de vitesse de plus 1, j'ai augmenté sa stat de dribble, sa stat de tir aussi. Donc voilà, ça lui fait vraiment une belle carte pour Coman aussi, une carte assez rapide, une flèche on va dire. Il me fait un peu penser à la carte de Biabiani de l'année dernière, moi personnellement. Mais en tout cas, il va être plutôt utilisé, je pense. Il peut être sympa à utiliser pour des équipes françaises. Si on va avoir des flèches sur les côtés, ça peut être assez intéressant. Donc on va passer maintenant au troisième joueur de cette vidéo. C'est un gardien italien qui joue en Serie A. Il s'agit de la légende Gianluigi Buffon, donc voilà, qui était à 84 de général sur FIFA 16, que j'ai essayé de passer à 86 sur FIFA 17. Donc voilà, Buffon pour moi il mérite d'être vraiment augmenté. On sait tous qu'il va pas continuer encore 10 ans le football. Il est plutôt jeune, donc c'est peut-être une de ses dernières saisons. Il va peut-être encore faire une ou deux ou trois, je sais pas si c'est prononcé là-dessus. En tout cas pour moi il mérite d'avoir une carte à 86, c'est une légende, oui, et une légende encore en activité. Donc je l'ai up de 2, j'ai up pas mal de ses stats, il a une très très belle carte pour un gardien. Donc voilà, vraiment belle carte pour Buffon, je pense que ça va être un des meilleurs gardiens du jeu avec Neuer. Peut-être Loris, peut-être Courtois, je sais pas encore. Derrière aussi, enfin en tout cas voilà, très belle carte pour Buffon qui le mérite largement. Donc dites-moi si vous aimez le nouveau design de ces cartes là, ça devrait être normalement celui-là. J'ai trouvé ça plutôt sympa de les mettre comme ça. Donc voilà, maintenant ça change plus le design des cartes, ça sera toujours le même
pour chaque épisode, vous inquiétez pas, on arrête de changer, on reste comme ça. Donc on passe maintenant au quatrième joueur de cet épisode, l'avant-dernier. C'est le plus gros joueur de l'épisode, vous l'avez vu dans le titre. Il s'agit sans doute d'un des trois finalistes du Ballon d'Or, on n'en est pas encore certain, mais il a fait, vu la saison qu'il a fait, ça serait mérité. Il a fait un très gros euro, meilleur buteur, je pense que vous avez tous compris de qui je parle, il s'agit de Antoine Griezmann. Donc voilà, l'attaquant, la coqueluche française, on va dire, qui avait une carte à 84 de général sur Futsal, qui était ailier droit, donc j'ai décidé de passer en BU et que j'ai up de 3 à 87. J'ai même hésité à le mettre à 88 pour vous dire. Mais bon, après, 88 c'est quand même énorme, je pense que l'année prochaine il sera 88 sans problème s'il continue sur sa lancée. En tout cas voilà, 87 c'est vraiment bien. Et je pense que dans les années futures il va pas tarder à rattraper au niveau des générales Suarez et compagnie. Et donc voilà, pour moi là il a atteint le niveau de Lewandowski, voire plus, il est vraiment très très fort, il a fait une très grosse saison. Donc j'ai augmenté beaucoup de ses stats et voilà, il a vraiment une carte super intéressante, comme vous le voyez, c'est vraiment beau. Je pense qu'il va coûter très très cher, honnêtement, ils sont pris de tourner autour des 50 000 crédits, peut-être plus. Parce que voilà, des buteurs à 87 de général de cette qualité-là, il y en a peu. Il y a Suarez, il y a Lewandowski qui ont plus, il y a, j'en oublie peut-être, il y a non, Robin, il est à droite, je crois. Enfin bref, voilà, en tout cas, pour moi, il mérite 87, j'hésite à mettre 88, mais bon, 87 c'est déjà énorme. Donc voilà, en tout cas, belle carte pour lui, donc elle est vraiment belle. Et on va passer maintenant au dernier joueur de cette vidéo. Il joue en Ligue 1, c'est un défenseur central brésilien du PSG. Il s'agit de Thiago Silva, donc le joueur du PSG brésilien qui avait une carte à 88 de général sur FIFA 16 que j'ai décidé de passer à... Enfin, que j'ai toujours... que j'ai pas up, je veux dire, il est toujours à 88 sur FIFA 17. Mais il a fait une bonne saison quand même avec Paris, il faut dire. Il a fait du Thiago Silva quoi, hein. Il est propre, il fait pas beaucoup de parler de lui, mais il est très costaud, il fait peu d'erreurs, il est intelligent dans son placement. Donc voilà, j'ai pas augmenté son général parce que 89 c'est quand même énorme après pour un défenseur central, mais j'ai augmenté quelques stats comme vous le voyez, et notamment ce stade de physique. Ce qui fait qu'il passe à 80, il a vraiment une carte très très propre lui aussi, c'est vraiment intéressant, et il aura un bon petit prix aussi je pense. Donc voilà, c'était la fin de cette vidéo, c'était le dernier joueur. Donc faites-moi des suggestions de joueurs dans les commentaires que vous aimeriez voir pour le prochain épisode. Donc en tout cas, j'espère que le design des cartes vous plaît, que vous êtes globalement d'accord avec moi sur les stats. Après, bien sûr, je répète qu'on a chacun des avis différents. Donc voilà, en tout cas, je vous dis à la prochaine. C'était Elias. Adios.